Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans le dialogue que nous avons vu dans la page d'ouverture, nous avons parlé hein, de, euh, du temps. Quel temps fait-il De la météo. Donc aujourd'hui, nous allons enrichir notre vocabulaire de météo, la météo. J'enrichis mon voc vocabulaire. Unité 4, livre de l'élève, classe CE1. Page 43. Alors, je vous montre les dessins. Et on va essayer de trouver les légendes. Ces sources sont très différentes. Je vous demande de chercher les sources. sources. Je vous demande de Hein, on va essayer de trouver les légendes alors et là on voit le soleil quelle, quelle, quelle phrase, quelle expression va-t-on euh, utiliser pour euh, exprimer euh, ce temps donc il fait il fait beau, très bien là on voit le soleil euh, il a, avec la casquette donc il a chaud donc qu'est-ce qu'on dit quand il fait chaud hein? on dit tout simplement il fait chaud le temps est beau et là le temps est chaud le temps est chaud ici on voit des arbres des vents et des feuilles qui tombent c'est ça qui dans le automne Là, on voit un arbre avec des, des feuilles qui s'envolent avec le vent. Le temps est venteux, ou bien on dit il y a du vent. Il y a du vent. Euh, riyah asifa. a Et là, on voit euh, le personnage qui a froid. Donc, euh, on va dire il fait froid. Il fait froid. Taxo berit. On a narré huyou mo amtar. Et donc, comment on parle le rôle français? Quelle légende allons-nous trouver pour cette image? Il pleut. Al mataro yatsaqaqts. Il pleut. Et là, c'est un bon nombre de neige. Il y a la neige qui tombe. Donc, on dit il neige. Al euh, le, nqoul le, le thelju yatsaqaqts kadalik. Voici donc les légendes. On va les découvrir. Il fait beau. Il fait chaud. Il y a du vent. On dit le le, le temps est venteux. Le temps est venteux. Il y a du vent. Il fait froid. بارد, il fait froid il pleut يتساقط, يتساقط. alors regarde les images et les légendes les les quel verbe est souvent utilisé pour parler du temps Regardez bien. Il fait, il fait, il fait, il fait, il y a, il pleut, il neige. Donc c'est le verbe faire. C'est le verbe faire qui est utilisé souvent pour parler du temps. Avec quel pronom Alors on regarde le pronom. Il, 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 il. Donc on utilise il quand on veut parler de la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui Aujourd'hui il y a de la pluie, il pleut. Également, nous sommes le 5 décembre, il pleut. Parle des images en utilisant le tableau. Alors, vous avez des images. Là, le début, quand la pluie arrive, on dit la pluie arrive. Presque la fin, on dit la pluie tombe. Et à la fin, on dit la pluie s'arrête. Le soleil, on dit le soleil se lève. Al matarou kadim, al matarou yata al matarou yata Se lever, briller, t'atlou la shems, ou t'ashir au Le soleil se lève, ou bien le soleil brille. Lorsque le soleil baisse, on va dire le soleil baisse, le shemsu, t'enzil, t'ahbot, t'adnou flor se cacher se coucher on peut dire le soleil se cache le soleil le soleil se couche alors on peut dire aussi le soleil se cache quand il y a des nuages et se couche le soleil se couche la neige arrive la neige tombe la neige s'arrête Quel temps fait-il au printemps alors le printemps la météo est agréable les températures les températures sont douces et le soleil fait de belles apparitions donc au printemps on va dire il fait doux en été il fait chaud en automne et en hiver il y a du vent, il pleut et il neige. Et il fait froid aussi. Réponds par des phrases complètes sur ton cahier. En été, il fait chaud. En été, il fait chaud. Il fait très chaud. En hiver, il fait froid, il neige, il pleut. À très bientôt!